Si tu aimes le contenu et si tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Le petit pouce aussi. Salut les gens, c'est Cosplay, aussi de retour sur Dismantel. Hop, j'ai pêché tous les poissons qu'il y avait de disponibles sur ce ponton, enfin, au bout de ce ponton. Et on va reprendre notre exploration. On va quitter la colonie des survivants. Malheureusement, bah, n'ont pas survécu. Je dépose tout ça dans le coffre. Peut-être un petit repos avant d'y aller. De toute façon, on va toujours étant trouvé. On risque pas de voir de zombies repopés. Et je vais checker la map, parce que moi j'aimerais bien aller... Oui, voilà. Dans ce coin-là, il y aurait la pile à combustion qui nous intéresse. Éventuellement... Ah, elle est en hauteur, non? Ah ouais, carrément, hein. Donc il faut trouver un spot de téléportation. Un spot de téléportation... Parce qu'il y a la maison en ruine sur la falaise, là, mais on a pris ce spot-là, il nous a mis en bas, à mon avis. Hein. Et non pas là. D'accord. À mon avis, il faut explorer le long de cette montagne. Hein. On va continuer sur le chemin, on verra bien ce qu'on trouve. Des zombies, comme d'hab, c'est sûr. Il y a un truc écrit sur le bidon, on ira lire après. Waouh! Arrêtez de crier, ouais. Ils sont bruyants, hein. Voilà. Les autres sont dégueux. Bruyant aussi et dégueu. Voilà. Oh là. Qu'est-ce que c'est écrit? Nous avons essayé d'acheminer des marchandises cruciales à la base de recherche arctique. Mais nos véhicules n'arrêtent pas de s'embourber. Ah oui, on a croisé des véhicules en route. Parce que nous, on reprend le chemin dans l'autre sens. Ah bah voilà, il y a un téléporteur là-haut. Donc il doit y avoir un téléporteur pas loin, non? Après, ils sont pas forcément côte à côte. Hein. Ah, ici, un bâtiment. Maison du chemin de terre. C'est pour ça qu'ils sont embourbés tout le temps. C'est un chemin de terre. On l'avait remarqué, on n'a pas besoin que la maison nous dise avec son nom. Effectivement, et de la boue partout. Je pensais qu'il allait venir m'attaquer, mais non, il a reculé pour me tirer dessus. Le nul. Bah nul non, il est stratégique, mais bon. Il résonne pas comme un vrai zombie. Il est trop intelligent, c'est pas normal. Des poitates. Voilà. Ça qu'on veut. Ça c'est fait, hop. Bon, y'a rien d'intéressant dans cette maison comme d'hab. Hein. Toujours décevant hein, quand même. Excusez-moi, est-ce que vous auriez vu un téléporteur dans le coin? Ça se trouve, il n'est pas du tout au bord de la falaise. Ce serait marrant, c'est justement ce qu'on s'attendrait à le trouver au bord du... Du truc qu'on veut escalader, mais en fait non, il est carrément genre sur la plage. Un truc comme ça. Ouais, l'autre bout du monde. Oh, possible aussi, ça on l'a déjà vécu. Hein. On l'a vécu qu'une seule fois, hein, près de justement l'endroit où on a trouvé cette technologie. Où ça nous a été porté à des endroits complètement différents de la map. Depuis, à part la technologie que moi j'utilise pour rentrer chez moi rapidement, on n'a pas croisé d'autres phénomènes de ce genre. Je suis où là? J'ai l'impression que je sors de la zone. Ah oui, je suis sorti de la zone. C'est la zone que j'avais pas explorée la dernière fois. Bah tiens, tant qu'on y est, on va vérifier. Ne touchez pas aux installations artistiques. Ah, oh! Oh! Burning Man? Ah, mais j'ai envie quand même de l'allumer, moi, le Burning Man. Pour l'instant, c'est juste un main. Wow! Non, ça a explosé. Hop, on va ranger ça. Tiac! C'est dommage que ça fait aussi éphémère. Hein. On aurait voulu voir ça plus souvent. On a enfreint la règle. Il a donné son nom, non? Neil. Je suis désolé, Neil, on a cassé le bonhomme. Mes amis ne veulent plus jouer avec moi. Ils passent tout leur temps avec mon grand frère. Oh, c'est triste. C'est pour ça qu'il veut faire exploser son grand frère. Il n'y a personne pour me tenir compagnie. Oh, les poissons. Les petits poissons. On va méditer sur ça en pêchant un petit peu. Tada! On a tout pêché. On a gagné de l'XP. Ah, oh, j'ai dû aller me faire une brochette là, les deux étaient côte à côte, mais non. J'ai foiré. Et là, c'est la passerelle qui mène de l'autre côté. D'accord, on a fait le tour. Oh! Il y a un spot de poisson que j'avais pas vu. Je suis passé à côté sans doute dans un épisode précédent et. J'ai même pas calculé. Grave erreur, on entend une cascade. Il y a un coffre rouge. On peut y aller, non? Ah.
coffre trésor. Il faudrait que je saute. Ah, mais même si je saute, je pourrais pas monter. Ah, je pourrais me téléporter après, certes, mais bon, quand même. Étrange, étrange. Bon, voilà, pas trouvé de téléporteur. Ouh, il y a une tablette là-haut. Il faut absolument que je trouve moyen de monter. Hein. Il doit y avoir quelque chose caché dans le coin qu'on n'a pas vu. Il y a un tombeau! Que cache-t-il? Sans doute une énigme des plus complexes que nous allons résoudre avec beaucoup de difficultés. Et ça, c'est juste un bouton. Ouf, voilà, tada! Je crois que le premier tombeau, c'était un peu simple aussi, quand même. J'aurais besoin des deux caisses. Pour me frayer un chemin. Parce qu'il y a la caisse qui est là-bas. Très bien. J'aurais besoin d'elle aussi pour me frayer un chemin. De retour. Je vais utiliser cette caisse-là pour l'interrupteur qui est là-bas. Un cran de trop haut. Voilà. Par contre. par contre. Ah non, non, bah non, non, bah non, j'ai fait une bêtise. J'ai pas anticipé ça, c'est pas bien. Voilà. Je pense que l'interrupteur ici est intéressant. Il a coupé. Ah, le laser ici, très bien. Effectivement, ça devient intéressant. Là, la porte s'ouvre, très bien. L'interrupteur ici a désactivé une autre tête de mort, ouais. Farpé. Et celui-ci, la dernière, je suppose. Oui. Bon bah, rien de compliqué comme d'habitude. À la rigueur, les plus compliqués, c'est ceux où il faut vraiment courir, esquiver des obstacles, des dangers. Là, celui-ci, ouais, c'est... C'est des boutons, quoi. Oh bah c'est sympathique parce qu'on commence à manquer d'orbes. Par contre, je sais toujours pas où est le téléporteur. Ça, on l'a déjà visité, hein, ouais. On tourne en rond. Dans le coin, y'a rien. Non. Bon, je suppose qu'il faut repartir par là-bas. Je me suis mis un petit drapeau. On repasse par cette zone-là qu'on avait déjà vue dans l'épisode précédent. Et on revient par là où j'étais arrivé la première fois. Parce que j'ai pas tout exploré. À mon avis, je suis passé à côté de quelque chose. Hein. On va regarder dans les zones sombres. Oula! Ce que j'aurais pu louper. Il faut charger le coup. Voilà. On sait qu'on peut les one-shot avec le maillet, donc profitons-en. Ils ont pas grillé que j'étais là. Oh, ils ont une sale tête quand même. Hein. Là, il y a rien de particulier. Non. Des œufs. Des œufs partout. C'est un truc de dingue. Je ne fais que ça de ramasser des œufs. Par contre, on n'a pas vu une seule poule, c'est inquiétant. Les champignons aussi, alors ça, par contre. Il y en a plein. Non, je me suis trompé de bouton. Pas de bouton aussi, c'est bon bouton, mais c'est pas lui de mon gadget. Oh, on a grillé un joker pour rien. Oh, on dirait l'entrée d'un labyrinthe. Non? Ah non, c'est une enceinte. On peut casser les bus, je crois pas. Hein. Y'a quoi derrière l'enceinte? Ah, mais on connaît cet endroit! Mais oui! Oh, y'a un poisson là. Allez voir ce qu'il y a par là-bas, ça se trouve y a quelque chose de secret. Mais on a déjà vu cette enceinte là, mais de l'autre côté. Ça fait longtemps qu'on n'était pas venu ici. Oh, y'a un crâne. Oh, c'est glauque. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'était pas venu ici. C'est une zone qu'on avait découvert il y a ouais, un petit moment déjà quand même. Là aussi y'a des poissons. On va d'abord se débarrasser du danger. À proximité, parce que je sais pas ce qui se passe si je pêche alors qu'ils sont à côté. Est-ce qu'ils viennent me croquer les miches pendant que je suis en train de pêcher? Je pense. Hein. Ça va me couper dans mon élan, bizarrement. Je suis téléporté dans un autre spot de pêche. Y a plus de poissons, j'avais remarqué. Par contre, on a gagné pas mal d'XP, ça c'est intéressant. Je dis, le répète. 483 secondes de retard. Waouh. En même temps, on n'était pas parti pour ça à la base. Alors oui, pour tirer mon petit drapeau, il sert plus à rien. Cette zone-là, on l'a déjà faite. On a vu qu'il n'y avait pas de téléporteur. Mais, peut-être que... Celui-là, il dit qu'on y est allé. Ah, on y est allé depuis là. Ouais. Mais ça nous avait fait redescendre. Parce qu'il y a celui-ci là-haut, qu'on a fait. Faille de mana, ouais. Peut-être que c'est lui la clé. On aurait loupé un détail. Il m'avait téléporté où? Il m'avait téléporté en hauteur. Après, il y a un autre téléporteur, je pense qu'il m'avait téléporté là. Hein. Je sais plus du tout. Si, c'est ça, ouais.
Ah, celui-ci m'a téléporté dans ce coin-là et celui-ci m'a fait redescendre. Ok. Peut-être qu'on a loupé quelque chose, mais je pense pas. Hein. Donc non, on va continuer l'exploration. Il y avoir un téléporteur qu'on n'a pas vu. Il va falloir que je remonte parce que c'est vrai que les zombies là-haut, je les avais tués avant de faire la tour. Là, il y a un téléporteur là-haut. Ok. Ah, j'avais pas vu. Ah, j'ai une canne à pêche. Je me suis armé d'une canne à pêche, faites attention. Check. Y a quelque chose dans le frigo? C'est un frigo ça? Non, c'est une machine à laver. D'accord. Oh, il y a un truc posé sur le bidon. Ah, c'est des épices. Je pensais que c'était une note, quelque chose qui nous apportera un petit peu de l'or, mais non. Ouah, je suis poursuivi par trois runners là, c'est qui? Je suis tranquillement en train de me promener. Et là, paf, il me tombe dessus à trois. Il cache un truc, c'est sûr, il y a quelque chose. De protéger quelque chose, c'est pas normal. Wouah! Oh, j'ai vu ma vie défiler. Ah oui, il y a un coffre. Il y a quoi dedans? Tout ça pour de l'acier, mais toute cette violence, pour si peu. J'ai cru que j'allais mourir. Est-ce que je peux grimper là? Non, je pense pas. De toute façon, on est revenu ici. Donc ça, c'est la base de recherche arctique. Donc on a fait tout le tour. À mon avis, j'ai dû louper un passage. Il y a un endroit... C'est pas un téléporteur, parce qu'on n'a pas eu de téléporteur. D'avoir un endroit où je suis pas allé. On va continuer notre exploration. On va faire la boucle, hein. À mon avis, j'ai dû louper quelque chose. Déjà, j'ai loupé les petits poissons qu'il y a ici. Ah! Ça, c'est important. Gentil le chien. Je t'ai pas fait de mal, tu me fais pas de mal. On vit en paix, en harmonie. Oh, il y a une sacrée tatouille de poissons là-dedans. Non, c'est bon. Je peux rompre l'harmonie. Cette zone-là, on ne l'a jamais explorée visiblement. Ah, donc oui, on a bel et bien loupé carrément un endroit. Hein. Il y a plein de chiens. En même temps, vu le froid de canard qu'il y a ici, hein, vous me direz, on devrait trouver des canards et non pas des chiens. Ouais. Un temps de chiens? Des calébus! J'ai plus besoin des calébus. Y'a quoi par là? Du poisson! Eh, mais c'est la région la plus poissonneuse qu'on ait jamais vue. Hein. Comment ça se... Il a réussi à passer de l'autre côté sans tomber dans le trou. Quoi? Tu vas faire plouf. Voilà. Et moi, je vais pêcher tranquille. Je pense qu'on est sur le bon chemin. Hein. Oh, il y avait un truc à creuser, j'avais même pas fait gaffe. Ah oui, en plus il y a un X. J'avais même pas vu. J'ai pas pris ma pelle, hein, non. On va la mettre à la place de la canne à pêche. Qu'est-ce que ça cache? Ouh, du caoutchouc! Ah, et c'est ici que la piste s'arrête. Zut! Zut, zut. Oh! On peut grimper ici! Et il y a un feu de camp! Diantre, ils ont enfin compris qu'on n'avait pas besoin de se téléporter pour grimper sur quelque chose! Ils ont fait des rampes! Merveilleux! Nous ne devons pas laisser les serpents entrer dans notre jardin. Ne révélez pas où se trouve notre île bien-aimée aux étrangers. Oh, ce discours! Ce discours! Je vais encore dire que c'est la faute des étrangers, c'est des zombies, c'est ça? En même temps, ils ont un mec qui est tombé du ciel qui a évidemment foutu la zbeul. Oh! Le signal de la pile à combustible vient des environs. Oui. Peut-être la console UFT là, je sais pas quoi là. Il vient de l'eau. Il est sous l'eau. Cherchez un local contenant un mécanisme de pompage dans la zone du barrage. La pile de combustible de Cornegivre se trouve au fond du lac artificiel formé par le barrage. On doit le vider. Très bien. Très très bien. Là ici il y a un système de pompe, non? Maintenant que mon inévitable départ approche, j'espère que vous comprenez pourquoi j'ai agi ainsi. Oh, ça va. Je connais pas le mec, mais il m'énerve. Je pense que c'est d'être le roi. Le roi de l'île.
Si on marche le long des tubes, est-ce que ça mène quelque part? Non. Si, ça mène là. Oh! Pour avoir du quoi? Du calacoco. C'est quoi du calacoco? Un plat traditionnel du pays aux mille lacs. En gros, c'est un pain fourré au poisson. Oh! Vitesse de course. Ah ouais! C'est-à-dire que je vais toujours courir plus vite. Ah, c'est marrant, ça. Je pensais pas qu'ils allaient mettre des trucs comme ça. Parce que dans certaines situations, on a peut-être pas envie de courir vite. Et on peut redescendre ici, d'accord. Et je crois que je m'éloigne de la zone. Hein. Il y avait une console jaune dans un bâtiment. Je pense que c'est là-bas qu'il fallait que j'aille. Hein. À mon avis, je... Ouais. Oh! Un pont-levis. Comme ça, on pourra revenir ici plus rapidement. Très bien. Et dégage. J'aime bien quand même le fait de les repousser. Franchement, ça rend les coups encore plus épiques. Alors qu'ils sont déjà très épiques, ils font très mal. Y'a quoi là-dedans? Ouah, du caoutchouc! J'ai jamais trouvé autant de caoutchouc que depuis que j'en ai plus besoin pour faire les crafts. Alors, pendant que le zombie est en train de préparer sa charge, moi je veux faire mon petit repas. Hop, avec des épices. Trois épices, c'est ça, ouais. Et du blé. Non, pas ça. Oula, le blé, par contre, ouais, il va peut-être falloir en planter, hein. Je sais pas si je devrais cuisiner. Ouais, on va en trouver quelque part du blé, je pense. Comment ça, cuisiner, manger, ça s'est arrêté. Je me pouvais stopper le truc en faisant échappe, d'accord, je sais pas. Et je suis mort. Ah oui, je savais pas que c'était ce genre de zombie, moi. J'avais pas compris ça comme ça. Heureusement, on a pu activer le feu de camp près du barrage. J'ai quand même récupéré mon cadavre et on va revenir ici après voir. Après, c'était fermé en fait. C'est ça en fait. C'est verrouillé, il faut que je trouve le moyen d'ouvrir cette porte. Il y a peut-être des indices dans le coin. Ah, effectivement. C'est pour ça que sinon c'est trop simple. Là, il y a écrit quoi sur le panneau? C'est verrouillé, il va me falloir la clé de la salle de contrôle de l'héroïque. Rendez-vous au village de Fjord. Ah, bah au moins, on a fait ça dans le bon sens. Donc c'est bien que je sois mort. Sinon, je serais passé à côté de tout ça. On aurait dû retourner un peu au village et tout, ça m'aurait énervé. J'ai toujours tendance à faire les choses de travers. Après, j'aime pas les couloirs. Pas pour vous, mais moi, j'aime pas les jeux trop couloirs, ça. Ça casse tout l'intérêt, je trouve. J'aime bien les open world. Et tu l'as déjà dit, ça, il se répète, non? J'ai l'impression qu'il va mettre ça pendant tout le... Non, ouais, j'ai eu peur. Là, il y a du monde ici. Il y a du monde et un téléporteur. Vas-y, tombe. On peut les faire tomber. Vas-y, tombe. Toi aussi. Et il est pas mort. Il est tombé, mais il est pas mort. Il a survécu. Est-ce que je peux le rejoindre? Oui, je sais, j'ai mon cadavre qui attend quelque part. Et si je meurs pas, je peux le récupérer après. Non? Ah, il peut disparaître entre temps. Oui, c'est possible aussi, ça. C'est les aléas, hein, on va pas se mentir. Ah, j'ai l'impression d'avoir découvert une zone extraordinaire. Avec plein de champignons, encore une fois. Et il y a une caisse. Alors on sait que les caisses qui sont après les téléporteurs, elles sont très intéressantes. Très très intéressantes. Ah, ça aurait pu me téléporter là où j'étais mort. De l'autre côté, mais non, ça m'a téléporté ici. D'accord. Bon bah, profitons-en pour mettre dans le coffre. Et on refait tout le tour. Non, je crois que j'avais fait un... Il n'y a pas un pont-levis dans le coin que j'avais activé pour aller plus vite? Ah, c'est pas là. C'est pas là du tout en fait. Ah oui, non, c'est pas là du tout du tout. Si, ah, il faut que je parte de l'autre côté. D'accord, c'est bien ce qui me semblait. Alors, on arrive au village en question, là où je suis mort en plus. C'est là-dedans qu'il y aurait les clés quelque part. Excusez-moi, est-ce que vous avez les clés dans votre buffet? Non. Là-dedans? Non plus. Moi, ça donne une raison à fouiller tout en fait. Hein. Parce que moi, à chaque fois, je fouille, mais sans aucune raison particulière. Enfin, je l'ai feinté. J'ai cru que je partais sur la gauche, mais non. Et bim. Là-dedans, il y a quoi? La clé! Là où j'étais mort en plus, c'est symbolique. C'est beau. Faut fêter ça en ramasse des champignons. C'est tout? Y'a rien d'autre dans le coin? Si, des œufs. Merveilleux. Quoi ce bruit? Ah, c'est le téléporteur qui est là-haut, je pense. Ouais, c'est ça. Disons, on l'a emprunté, c'est celui qui m'avait ramené en bas, ouais, c'est ça. Ok, bon bah on retourne au barrage. Maintenant qu'on a la clé, on va pouvoir activer la console et voir ce que cache le lac artificiel. Le barrage hydraulique.
Tchac, y'a quoi là-dedans? De l'acier. Mettez la pompe en marche à l'aide du terminal du barrage hydraulique. Hydroélectrique. On va vider l'eau. Et révéler ce que cachent les bas-fonds. Du poisson. Et un méca! Oh, on s'en serait pas douté, tiens. Un méca! Après un fracas retentissant, vous n'entendez plus que le bruit d'égouttement. D'égouttement, ça se dit ça? Le lac artificiel est vide. Et on gagne 8000 points d'XP. Et comment on fait pour y descendre? On ne sait pas. Et on découvrira ça au prochain épisode. En tout cas, j'espère que celui-ci vous a plu. Et si c'est le cas, vous mettez un petit pouce à commenter, partager. Et à vous abonner si ce n'est pas fait. Allez, à toutes!